Jésus a dit à Pierre, je te laisse les clés du royaume des cieux. Si tu ouvres sur la terre, moi aussi j'ouvre au ciel. Si tu fermes sur la terre, moi aussi je ferme au ciel. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Ouh. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. La loi de Dieu, mes frères, c'est de recevoir un serviteur confirmé venant de la part du Très-Haut. Un vrai représentant plénipotentiaire, vêtu de plein pouvoir, un vrai ambassadeur. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Ah oui. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Jésus qui a dit, comme le Père m'a envoyé, celui qui me reçoit, reçoit aussi mon Père. Et moi aussi, je vous envoie, à celui qui vous rejette, me rejette. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Ouh. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Que soient vos relations avec le pays où vous voulez aller, très cher bien-aimé. Mais y aller sans associer l'ambassadeur, cela me dépasse vraiment. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Ouh. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Vous embarquez sans le visa, très cher bien-aimé, à mon humble avis, vous n'êtes qu'un clandestin. Vous risquez, mes frères, d'être refoulés, pieds et mains liés, au milieu des tourments. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade?
mystère de la porte. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Comme mon frère Sylvain, à quoi la a chanté pourra toujours. Refuser cela, mes frères, c'est alors bafouer les règles élémentaires de l'immigration. Ouh. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Ouh. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Mais vous devez aussi faire bien attention, car il existe aussi des fausses ambassades. Ce sont des vrais pirates avec des faux visas. Vous risquez de compromettre votre voyage pour le ciel. Car avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Mystère de la porte. Si je pouvais vous faire une proposition, je vous proposerais William Marion Branham. Celui-là au moins, que si elle était reconfirmée, avec ces genres d'hommes, vous êtes sûr de rentrer. Car avez-vous déjà vu un homme aller dans un pays sans passer par l'ambassade? Avez-vous déjà vu un homme aller dans un